Salut à tous, c'est un Dédé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mountain Blade Bannerlord. J'espère que cette fois-ci c'est le bon, c'est la troisième fois que j'enregistre cette vidéo. Parce que la première fois j'ai oublié de muter, j'ai oublié de démuter mon micro, la deuxième fois j'avais pas de son dans le jeu. Donc bref, là j'espère que c'est la bonne cette fois-ci. Alors du coup, petit aparté avant qu'on commence, j'ai fait une petite intro, donc spéciale un peu on va dire Bannerlord. Voilà, celle qui est passée au début de du précédent épisode et cet épisode-là. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai pas eu beaucoup de retours. J'aimerais bien avoir votre avis sur l'intro, est-ce que vous trouver qu'elle colle bien, est-ce que c'est intéressant de la garder ou non, parce que ça me demande beaucoup de boulot à chaque fois. Mais moi j'aime bien, donc dites-moi, voilà, tout simplement, j'aimerais bien avoir votre avis. Du coup, le programme de cette vidéo, ça va être très simple. Les vers vont disparaître, il y a de fortes chances, hein, donc les Batanias, on les appelle. Donc les vers vont disparaître parce que voilà, leur dernière capitale est en train de se faire assiéger du coup par le royaume de Vlandia. Donc le nôtre, pour faire simple, hein. les rouges, alors que bon, dans mon précédent épisode, donc dans mon précédent plutôt let's play, pardon, ils s'étaient fait dérouiller en l'espace de 10 minutes et on les a plus jamais revus. Donc là on devient une faction majeure du jeu, c'est plutôt, plutôt cool, plutôt une bonne chose pour nous. Alors autre chose, donc là, du coup le programme de la vidéo ça va être de voir les vers disparaître et surtout essayer un peu de défoncer les vikings, donc les surgiens comme on les appelle. Parce que du coup pour moi c'est la meilleure solution, vous voyez tout mon royaume là, avec les têtes d'aigle, tout ça c'est mon royaume. Donc ouh, d'ailleurs j'ai... D'accord, on est en train de raid mon château. Enfin mon village. Donc je vais le défoncer les gars que traînerait de mon village. Je vais y aller. J'y avais même pas vu. Bon bah tant mieux du coup. Donc ouais, j'ai envie de m'étendre un peu parce que tout mon, on va dire, l'étendue de mon royaume est vraiment située par là. Et j'aimerais bien commencer à m'étendre un peu plus par là. Attention parce que derrière c'est frontalier avec tout ce qui est empire. Donc faudra se méfier un peu, mais bon. Alors on va aller du coup passer directement à Cranerog parce qu'il y a un mec qui est en train de défoncer mon. En train de piller mon village. Et ça me plaît pas trop. En plus ils sont que 50. Bah je vais te défoncer mon pote. Je vais t'exploser. Bah ouais, non mais attends, tu prends pour qui? En plus ce mec il a même pas de cheval, il est à pied, bah on va l'exploser tout de suite, au moins ce sera fait. Alors, oh oui, désolé, je pense pas vous connaître, je suis juste en train de piller votre village, mais je pensais pas vous embêter, désolé. Je suis Jérémos de Left Eldemon, bref. Et bah vous savez que nous sommes en guerre, on va le défoncer, on va l'exploser. Et je pense qu'après on va le libérer, pareil, hein, je vais tous les libérer. Le but c'est vraiment pas de les conserver, c'est de m'en faire des potentiels alliés, on va dire des gens qui m'aiment bien, comme ça jour je trahis mon roi, je peux avoir plein de vassaux et plein de gens, je peux les convaincre beaucoup plus facilement. Donc let's go, on va l'éclater. Alors comme vous pouvez voir, pareil, hein, j'ai changé mon arme, j'ai pris vos conseils, vous m'avez dit du coup mes armes n'étaient pas folles. Donc d'abord on va pas s'embêter, je vais faire avec 6 pour commencer. Vous m'avez dit du coup que voilà, mon arme n'était pas folle, donc je me suis acheté une nouvelle lance qui one shot quasiment tout le monde, elle est super forte, donc c'est cool. Je me suis aussi acheté du coup rien, juste une nouvelle lance du coup parce que j'avais plus d'argent, enfin c'est pas j'ai plus d'argent mais c'est que j'avais pas de nouvelle, j'avais un arc qui coûtait extrêmement cher et qui était à peine mieux celui que j'avais actuellement. Donc j'avais pas l'intérêt de le faire. Donc on y va avec la cavalerie, c'est parti. Oh ouais non mais on va les défoncer hein. On va les défoncer les gars, on va vous défoncer les gars, je vous l'annonce hein, ouvertement. Oh, non, ouais, je vais essayer de m'en prendre à eux direct. Oh j'ai raté mais complètement, c'est horrible. C'est pas grave, on va essayer de le faire. Oh j'ai encore raté. Oh bah par contre eux ils m'ont pas raté hein. Eux ils m'ont pas raté, bon c'est pas grave. Tiens touché. Touché. Oh bah ce qu'il a pris. Ah ouais c'était un peu violent quand même là hein, pour le coup. Oh, bah attends toi par contre on va pas te louper mon pote. Pas te louper. Oh non mais t'es devant, casse toi. Voilà touché. Touché, bah parfait on l'a eu. Ouh alors toi par contre je vais t'avoir. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Ouh là attends il reste toi cache. Ah oui attends, attendez, je veux pas qu'il touche mes. Ouh c'est pris une flèche, horrible. Oh là là il y a une mort, horrible. Ah ça m'aurait fait de la peine de mourir comme ça quoi. En fait ça m'aurait fait de la peine de mourir tout court mais quand même. Quitte à choisir, je préfère pas mourir comme ça. Après les morts en viking quoi, les morts en guerrier. Il s'est pris une flèche comme ça dans la tête, c'était épique. Oh non mais là par contre c'est... Je tape dans du beurre, hein, c'est abusé. Bien touché. On n'en parle plus. Touché. Ah ouais, ils sont tous en train de fuir. Regardez, ils sont déjà en train de fuir. Abusé. Touché. Allez vite, vite, vite. C'est lui que je veux descendre. Voilà, parfait. On va juste les achever quand même le plus vite possible. Ouh, j'ai touché mon pote. Super, on les a eu. Je vais pas laisser fuir parce que c'est de l'XP en plus pour nous. C'est de l'XP facile du coup puisqu'ils ont deux tournées qui fuient. C'est de l'XP facile et honnêtement pour nous c'est aussi de la renommée etc. Donc je vais pas laisser fuir. Alors Jérémos, je vais te libérer. Voilà. J'augmente un peu ma relation avec lui, y a pas de raison. Du coup les troupes, je vais vous recruter. Toi, je te level up.
Les prisonniers, je vais... Y a rien d'intéressant à prendre à part toi et toi, à la limite, c'est tout. Ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre veut XP? Ouais, tiens, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Donc, j'ai réussi à défendre ma petite ville, à Cranirog. Est-ce qu'il y a des mecs à recruter là-bas, des bons? Ouais. Non, en fait, ils sont tous nuls. Bon, c'est pas grave. Au moins, voilà, ça me fera toujours de l'argent en plus. Alors, je vais y faire un petit... je vais faire un petit repérage près d'Omor. Je vais voir ce qui se passe là-bas. Donc, à mon avis, c'est quand même une grosse capitale, donc je pense pas pouvoir les affronter de suite. Mais bon. Omor. Alors, dis-moi tout, Omor. Vous êtes combien là-bas? C'est juste un... C'est une idée. Ouh, 622, d'accord. 622, c'est mort. Par contre, toi, je vais te défoncer. Vous êtes que 63. Ouh, lui, c'était 104. Ouh, 120. Ah oui, il faut que je me méfie quand même, parce qu'ils sont nombreux. Je vais essayer vraiment, pour l'instant, de défaire que des armées. Parce que bah ça me fait la masse de renommée. Et j'aimerais bien aussi, pareil, passer mon clan au niveau 4. Donc, ça va être intéressant. Passer mon clan au niveau 4 me permettra déjà d'avoir une plus grosse armée, de gagner un peu plus de renommée et d'avoir plus de groupes à mettre. Donc ça peut être plus qu'intéressant. Alors on va faire en sorte que du coup, tout ce qui est infanterie, vous allez vous mettre ici. Alors d'abord, ouais, mettez-vous là. Je vais vous mettre aussi en mode mur de bouclier. Voilà, allez-y. Les archers, vous allez vous mettre un petit peu plus ici. Voilà. En formation éparse, je pense. Ou non, formation carrée, allez-y, formation carrée. On s'est déjà pris des flèches là, c'est ça non? Sérieux? Ils sont où là? Ils sont où, je les vois pas? Ils sont là-bas, ok super. Quand même, l'infanterie du coup, mettez-vous peut-être un peu plus devant. Voilà, comme ça au moins vous couvrez un peu vos alliés, ça c'est fait. Tout ce qui sera infanterie, bah parfait, vous êtes là. Par contre je vais juste changer de votre formation les gars déjà. Vous allez vous mettre en mode échevaux, tac, pour vraiment percer les lignes ennemies. Ok, pour l'instant on est bon, là on est en train de se faire une belle petite formation. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là-bas, je crois qu'ils arrivent petit à petit. Donc on va les attendre. Ouais, ils arrivent, ok. Les archers, mettez-vous même plus ici. Vous êtes plus, du coup, quand même. En hauteur, ça sera beaucoup mieux. Quant à vous, ok, on va jouer un peu plus stratégique. Hein. Vous allez vous mettre ici, pour commencer. Non, non, restez derrière, vous avez raison, restez derrière au final. J'ai rien à dire, restez derrière. Ok, vous allez vous mettre un peu plus là-bas même. Hop, comme ça, vous serez prêt à charger. Voilà, et là on est bon. Donc, pour l'instant, on va regarder les archers qui sont en train de se faire plaisir. Ah ouais, encore même pas les archers, je me dis c'est une mauvaise formation, on va vous mettre en ligne finalement, c'était bien. Allez, mettez-vous en ligne, comme ça tout le monde peut tirer. Voilà, en ligne. Et là par contre c'est votre heure de gloire. Allez-y, allez-y, il faut que la cavalerie charge là. C'est l'heure de gloire, allez. Voilà, on n'en parle plus. Ah ouais, non mais là ils ont pris tarif les pauvres. Là ils prennent vraiment super cher. Oh, je crois qu'ils ont tué personne. Les pauvres, ça me fait presque du mal. Ok, maintenant on va demander à tout le monde de charger. Allez-y, c'est votre heure les gars, c'est votre heure. Ok, moi j'améliore ma compétence à l'arc tranquillou, juste à côté, à bout portant, hein, carrément. Moi j'ai pas de temps à perdre. Voilà, sérieusement ils ont pris si cher que ça? Ils ont déjà pris leur dérouillé là? Non, c'est pas possible, pas déjà quand même. Pas déjà quand même, si, déjà? Non, vous déconnez là. Il y en a un là-bas. Lui je vais aller chercher, j'ai envie d'aller chercher parce qu'il est tout seul là-bas. Et je vais aller le chercher. J'y vais moi-même. Ah, je crois que j'ai un pote qui... Ah bah non, bah ils y vont du coup. Il y en a d'autres qui sont partis. Bon bah c'est pas grave. Oh, voilà ce qu'on lui a mis en vrai. Alors lui par contre, on l'a défoncé. Allez les gars, moi j'ai avec vous. J'arrive. Si jamais vous galérez à l'avoir, je vais l'avoir. Bon, pas de soucis. Il est bloqué dans les rochers, je crois. On va voir. Oula. Sérieusement, un petit arbrisseau comme ça, là, de trois branches à le... Ah oui, d'accord, ils l'ont tué. Ok, bah c'est par où maintenant le combat là? Ah il est là, d'accord, il est là, ok. D'accord, ah oui c'est lui. Je l'avais pas vu. Allez, on va l'avoir à la longue. Allez encore. Bon toi par contre va t'avoir à l'arc, c'est pas grave. Ah bah voilà, on l'a eu. On l'a eu, abusé, j'ai tué son cheval au passage. On y va, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah je crois qu'on a, on a terminé là, il n'y a plus personne. Non s'il en reste, il en reste encore un. Alors je sais pas du tout où il est par contre. Ah bah ça y est, il reste plus personne. Ok, bon voilà, on a gagné. Donc on a perdu personne, on a gagné un peu de renommée, ça c'est cool, par contre eux ont pris cher. Pareil, je vais le relâcher, tout pareil, on va vraiment continuer sur cette stratégie. Je pense qu'au long terme ça peut rapporter. Vous êtes bien battu, vous êtes libre de partir, j'augmente ma relation avec lui. Voilà, là petit à petit il commence à m'apprécier je crois. Les prisonniers, est-ce qu'il y en a qui valent le coup? Tiens, si toi tu vaux le coup, toi ici, toi aussi, voilà. Vous valez le coup, je prends. On est en total 114 sur 117, donc on a encore un peu de place pour des troupes si besoin est. Mais là on n'a pas l'air d'avoir d'être en galère, donc on va pouvoir continuer là-dessus sur cette lancée. Toi là, je sais que vous êtes 120, donc je vais vous défoncer.
Alors on en est où au niveau de la renommée? Juste pour voir, au niveau de mon clan. On est à 875 sur 900, donc bientôt on va pouvoir passer une étape. Mon personnage a un level up. D'accord, j'ai 2 points à mettre dans les épées à une main. Ok, bah ça je savais pas. Alors, cogneur... Ouais, non, ça c'est nul. Alors en gros, je vous fais la traduction. Les coups de bouclier infligent désormais 50% de dégâts en plus et stun les ennemis pour plus longtemps. Mais j'utilise jamais ces techniques. Block, you make with one undead. D'accord, en gros, les attaques qu'on bloque avec une main... sont 50% plus mieux je crois, j'ai pas trop capté mais on va prendre ça, ça va d'être mieux. Ça va d'être beaucoup mieux quand même. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça augmente mes dégâts avec les haches et les masses, je dis jamais. On va plutôt prendre ça du coup. Voilà, parfait. Du coup, j'ai des points en charme. Alors, qu'est-ce que c'est? Limite d'apprentissage, donc champion. Gagner plus 10 d'influence en gagnant des tournois, non. Opposition respectueuse, 30% de chance d'annuler la pénalité. Ah ouais, ça faut le prendre direct, ça je vais le prendre. Opposition respectueuse, 30% de chance d'annuler la pénalité de relation. En gros, quand je prends des décisions au niveau du royaume, bah j'ai plus de chances qu'il m'en veuille moins, on va dire. Antoine, ça faisait longtemps. Ouais, toi je t'ai défoncé il y a pas longtemps, toi je t'ai défoncé. Bon, bah j'y retourne, on y va. Très bien, on y va. Je vais trop défoncer, je suis désolé, mais c'est comme ça. Puis moi en même temps, ça me fera un peu level up. Ça me fera un peu d'XP, un peu de renommée, donc je vais te défoncer, tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on va refaire du coup notre bonne vieille stratégie. Là par contre j'aime pas du tout me battre comme ça dans la forêt. Alors vous allez vous mettre en formation. Pareil toujours mur de bouclier. Ça fonctionne très très bien ces stratégies là. Donc vous allez vous mettre un peu ici, voilà, en contrebas. Voilà. Les archers vous allez vous mettre bah vous êtes déjà en ligne, c'est parfait. Changez rien même, ouais, allez. C'est très bien. Et vous allez vous mettre juste derrière. Un peu plus, voilà. On va dire un peu plus en hauteur. C'est pas ouf du tout comme position, mais bon, on va estimer que c'est pas mal. Vous allez vous mettre en éparse, parce qu'on sait à quel point... non, du coup, en écheveau, pardon. Parce qu'on sait à quel point ça fonctionne très bien. Donc, voilà. On va les attendre, ils vont arriver dans pas longtemps. Ah, ils ont pas l'air d'avancer. Je crois qu'ils nous attendent. Ok. Et ben dans ce cas-là, c'est pas grave, vous allez avancer. Donc, en les faisant avancer classique, en utilisant la fonction avancer, ils vont rester en formation. Quant aux archers, pareil, je veux qu'ils fassent, pareil, avancer, suivez-les. Et du coup, vous, par contre, vous allez venir avec moi. La cavalerie, vous venez avec moi. On va commencer. Lui, il va rester tout seul dans son coin, c'est pas grave. On fera venir s'il y a besoin, mais normalement, il n'y a pas trop de besoin. Quant à la cavalerie, je veux qu'elle soit avec moi. On va faire un débordement sur le côté, ça va être quelque chose. Oh, j'aurais pu mettre les archers là. Les archers là, ça aurait été sûr. Et juste ici, là. Mais bon, j'ai pas l'impression qu'ils veulent bouger. Donc tant pis, on va devoir y aller. Ouais, ils veulent pas bouger, ils sont restés en position défensive. Hein. Ils ont raison, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour eux. De toute façon, c'est nous qui attaquons, hein. C'est eux les défenseurs, nous on est les attaquants. Oh ouais, non mais même les archers là, ici, ils auraient été super bien, là, sur la petite montagne, là, tranquillou. Encore pas d'ouf. Ils sont là, regardez-les, ils sont là. Ils sont là. Et on s'est fait déjà viser. Toucher. Toucher. Ok, toi t'es mort. Touché. Touché. Allez, encore. Ah bah lui il est mort. Ok, ça c'est fait, on en parle plus. Touché. Ça y est, c'est en train de se bouger un peu, ça va être cool. Eh bah allez-y les gars, c'est votre heure de gloire. Hein. Allez, cavalerie à balles, on y va. Non, je vais pas du tout prendre cette arme là, moi je voulais prendre la lance. Hein. Voilà, ok. Bon, la cavalerie va faire son taf. Oh ouais, non, mais regardez-les, c'est abusé. Allez. Oh, par contre, ouais, quand t'as pas... Ah ouais, quand t'as pas d'élan, c'est horrible. D'alors, quand t'as pas d'élan... Bon, par contre, ça fait mine de rien, ça fait quand même super mal. Oh là, je rate tout, c'est horrible. Ah, je déteste me voir rater comme ça. Bon, c'est pas grave, on va jouer un peu plus à l'arc. On enchaîne. Allez, allez. Touché. Touché. Voilà, c'est abusé. En vrai, on leur met super cher. Donc j'en ai tué encore un. Toi aussi, touché. Qu'est-ce que j'aime l'arc dans celui-ci. Non, allez, allez-y, prenez. Touché. Là maintenant, on peut ordonner à tout le monde de charger. On n'a plus le choix. Allez-y, chargez les gars. Voilà. Encore. Encore. Je les touche, je leur fais beaucoup de dégâts, mais j'arrive pas à les tuer. Touché. Elle lui aussi. On va les finir à l'arc, hein, c'est pas grave.
J'ai l'impression que tu cours un peu vite toi quand même. On va te défoncer. On va te défoncer. Touché. Sérieusement? Non non non, toi par contre tu t'échappes. Mais il court trop vite lui. C'est abusé. Non mais hey, t'échappes pas, mais laisse-moi passer. Non mais il va trop vite. Non mais regardez. Oh là où ça s'échappait, ça fait une heure que je suis après lui. Ouais bon bah bien joué à lui. Non, sérieusement j'arrive à rien avec la lance. Elle est beaucoup plus longue que l'autre. Du coup c'est un peu bazar, j'aurais dû l'avoir à l'arc. C'est ce que je fais d'habitude et ça marche mieux chez moi. Du coup là je pense qu'on aura perdu quelques gars. Ouais, on a perdu deux gars, est-ce que c'était des gars importants? Ouais ça va, c'était pas ouf. Par contre ils ont perdu beaucoup de monde quand même. Donc c'est bien, ça nous fait un peu de renommée, pareil. Alors, vos rares de la fraternité. Eh ben, tu t'es bien battu, mais je te libère encore une fois. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Ça va augmenter un petit peu ma relation avec lui. Alors, prisonnier, est-ce que t'as des prisonniers de valeur? Bon, toi aussi. Ou toi, t'es bon, je vous engage. Enfin, je vous capture, toi pareil. Le reste, par contre, vous avez juste des brels. Ah, sauf lui, il a failli passer. Vous avez juste... Ouh, lui aussi, pareil. Bah tiens, je vais tout prendre même, voilà, ça c'est bien, ça c'est beau. Ça me plaît ça. Alors hop, on va continuer un peu les level up aussi, tranquillou. En fait c'est bien parce que mine de rien, on perd certes 2-3 gars, mais on récupère plus de prisonniers derrière qui eux vont vouloir nous rejoindre au bout d'un moment. Donc au final, je trouve que c'est pas mal finalement, ça vaut le coup, donc on y va. En plus on gagne de la renommée, un peu d'or à chaque fois. Des ressources qu'on pourra vendre aussi, donc tout est bon à prendre pour le coup. Je vois aucun côté négatif à faire tout ça. En plus on a la relation avec les gens aussi, donc tout est bon à prendre. D'abord scaler un peu dans le château, voir où on en est quand même au château de Mazdan. Je crois qu'il était, était super galère à level up, je crois qu'il était vraiment en retard. Du coup, garnison. Ah non, c'est pas garnison, je vous dis des bêtises. Gérer château, ça donne quoi? Ah ouais, non, on est en galère encore. Hein. Heureusement qu'elle est là, elle, pour commencer à construire, parce qu'on était en galère. Du coup, tu vas nous faire les murs, voilà. Pour augmenter la capacité de la garnison totale. Tu vas nous faire un jardin, tu vas nous faire des fours à chaud, tu vas nous faire hop d'atelier, voilà, je veux tout augmenter. Entraîner la milice, ouais bah heureusement qu'on le fait parce qu'on est déjà en négatif en milice, donc heureusement qu'on le fait. Ok, bon ça c'est plutôt cool, on va attendre ici un petit peu, en attendant. Ouais, on va se reposer un peu, moi j'ai besoin d'HP quand même. Alors j'ai 500, je vais essayer de jouer un peu plus, je vais essayer de jouer un peu le jeu de la politique, je vais essayer de récupérer un château. Alors, lequel on va pouvoir essayer de récupérer? Ouais, donc ça, la map se regarde plus comme ça. Frintold, ça c'est pas un château. J'aimerais bien récupérer Cinéon. Je vais tenter de récupérer Cinéon parce que ça c'est ce qui collerait. Ça c'est le château de Flintog, j'aurais bien voulu le récupérer mais malheureusement il appartient directement au leader, au roi. Donc je peux pas réclamer un château qui appartient au roi direct. Donc j'ai pas trop le choix. Château de Flintog, vous voyez il est là, je peux pas. Donc tant pis. Par contre, Cinéon, ça serait une capitale, c'est moi qui l'ai prise, donc je pense que je la mérite tout autant. Donc j'ai bien envie de le capturer, alors attends, Cinéon, il est là. Je crois que je m'entends bien avec lui en plus, je vais proposer à Antoine, tac. Donc là, il veut bien me la donner, mais est-ce que je vais réussir à le garder? Parce que lui, derrière, va faire une contre-proposition. Ouh, je passais de 20 à 72. Ok, donc là, ils veulent la filer à quelqu'un d'autre. Ah là là, ça m'énerve, ils veulent toujours filer à quelqu'un d'autre. Je vais voter du coup pour toi parce que bah, parce que tu m'aimes bien. Donc voilà, j'augmente ma relation avec avec lui. Ah ça m'embête, dommage, tant pis. A chaque fois ils veulent pas me le filer. A chaque fois ils le filent à quelqu'un d'autre château. Donc c'est pas grave, on va continuer. Du coup, alors allons voir. Ah le château aussi, pareil, le château là-bas, faut que je me le tape. Oh, ah oui, ils sont 489. Là par contre je me serais fait éclater. On va pas trop nous ambiancer non plus. Hein. Faut qu'on joue safe mine de rien. Alors. Toi tu veux me rejoindre, rejoins-moi, je te prends direct, y a pas de problème. Toi tu veux me rejoindre, rejoins-moi aussi, et toi pareil, voilà, là on est bon. Ce qui nous fait qu'on passe à 115, parfait, on a un peu plus de troupes qu'avant. Du coup, le château, on voit que c'est défendu, là on est, là c'était 600 et quelques il me semble. Balgar ça va être chaud, après si je pars trop loin dans les terres je vais me faire exploser. On va aller voir quand même près du château, mais il faut que je me méfie. Ouh là oui, d'accord. Alors attendez, parce que là, je peux faire, là je peux tous les défoncer là. En vrai, ils sont moins nombreux. Et je peux tous les défoncer. Ça sera un bon coup de com' pour moi. Ah ouais, non, mais là, ils ont réussi à se barrer. Ok, allez, toi, je vais te défoncer. J'espère que son pote va le rejoindre. Regardez, il laisse son pote dans la galère. Ah ouais, non, mais c'est pas cool. C'est pas cool, hein. C'est pas cool de laisser ton pote comme ça, toi. Crotor. Ah ouais, tu t'appelles Crotor, quoi. Genre, il y a Crotte dans ton prénom, quoi. C'est chaud, veut dire.
Ouais, moi je serais pas à l'aise à ta place, je m'appelle Crotor, non quoi. Non, genre c'est... Salut, ça va? Ouais, moi c'est Crotor et toi? Crotor, d'accord, ok. Ah, il y a la milice de Scorvin, d'accord, en fait il est un peu épaulé par des paysans. Mais bah, on va le défoncer, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va le défoncer, on n'a pas le choix. Hein. Alors, on va faire un bon petit F6, je vais pas m'embêter là à faire des stratégies. Du coup, ouais, non, je veux juste qu'on en parle, sérieusement. Son prénom, c'est vraiment Crotor, quoi. C'est-à-dire que sa mère, elle a dit, tiens, je vais l'appeler Crotor. Voilà, c'est officiel. Moi, personnellement, un truc comme ça, j'attends de grandir et je fous un procès à ma mère. Je fous un procès à mes parents direct. On m'appelle Crotor, il y a crotte dedans, quoi. Je veux dire, ce mec-là à l'école, bon, à mon avis, il y allait pas trop, mais vu l'époque dans laquelle on vit, là, au Moyen-Âge. Voilà, mais quand même, moi, je... Ah non, je serais pas à l'aise. Hein. Ah là là, non, je m'appelle Crotor, il y a crotte dans mon prénom, sérieux, c'est chaud. Hein. Toi par contre t'as pris un peu cher. Ah bah je t'ai défoncé direct. Au moins on n'en parle plus. Le peu de cavalerie qu'il y avait. Bon allez-y les gars, enfoncez. Ouh, ça serait Crotor. Attendez, je vois Crotor là. Je vois Crotor et c'est une affaire entre lui et moi et ses chaussures. Alors allons-y. Ouh là, j'ai eu que deux dégâts infligés. Ok, on y va. Regardez, je vais te foutre un coup de... M'en fous, je vais t'avoir à l'arc hein. Fuis Crotor, t'as raison. Quand je t'appelle Crotor, t'es obligé de fuir, je comprends, mais je te lâcherai pas. Hein. Il est parti où? Bon bah je te lâche parce que je sais pas du tout où tu es, donc tant pis. Du coup, oh il y a pas mal de troupes par là, ok. Oh, ce qui m'a mis lui. Envie de par contre on style. Faut surtout pas se retrouver au milieu. Lui m'a défoncé lui. Lui était vénère. Lui, clairement, il avait pas le temps. Touché. Oh Crotor, je crois que j'ai vu Crotor. J'ai mis un coup à Crotor. Il a pris tarif. Allez encore, on y retourne. Touché. Hop, j'en ai tué un quand même. On se retourne. Ah ouais, mais là j'ai des pertes. Hein. J'ai vraiment des pertes. Finalement, j'aurais peut-être dû jouer un peu plus stratégique. Mais bon, tant pis. Là, on est dedans maintenant, on n'a plus le choix. Oh ouais, non, mais c'est abusé. Ils sont super nombreux. On n'a pas de place pour charger. Touché. Lui il a un bouclier dans le dos et un bouclier dans la main quoi. Lui il s'est débrouillé comme il a pu, il a tout récupéré quoi. Il s'est dit ça va être un super butin à vendre. Touché. Touché. Je fais quand même quelques dégâts par-ci par-là même si j'arrive pas à les achever. C'est là-bas que ça se passe, il y en a plein. C'est toi je t'ai tué. Touché. Touché. Ah il fuit, regardez les fuir. Bon, toi je t'ai vu depuis tout à l'heure avec tous tes boucliers. Ouais non mais sérieux. Encore. 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 Voilà, j'ai réussi à l'avoir. Oh, la bataille quoi. Alors par contre toi, je vais t'achever à l'arc. Touché. Où tu es? Là, t'es mort. Ok, on y retourne. Let's go. Ça va, on est en train de décimer là. Clairement, on est en train de décimer. C'est là-bas que ça se passe. Okay. On y va. Regardez, ils sont là en train de fuir. Ils sont là en train de fuir, c'est notre heure de gloire. Allons-y. Touché. Encore. Encore. Ok, on les achève à l'arc. Touché. Touché. T'es mort. Encore. Ah mince, ils ont réussi à s'échapper. Tant pis. Je vois rien là. Oh, c'est abusé, je vois rien. Mais non, mais il y a trop d'arbres. Bon, bah là par contre, on a essuyé pas mal de pertes. Hein. J'aurais peut-être dû jouer beaucoup plus stratégique. On a eu 10 gars. On a eu 10 morts, ouais. 10 morts quand même, c'était un peu hard. Bon, eux, ils ont pris cher aussi. Et ouais, on a eu quand même pas mal de morts. Bah tant pis. Alors, Crotor, normalement, je te libère. Mais là, quand je vois ta tête, j'ai même envie, tu sais quoi? J'ai même envie de te libérer et de m'excuser de t'avoir attaqué. Oh, regardez quand il sourit, il est moche! Regardez, il sourit! Il est moche! Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est moche! Regardez sa petite tête, là, il sourit et tout! Avec sa petite moustache! Ah non! Mais comment t'es moche? Attends, je prends un screen parce que là... Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est moche? Mais c'est pas possible! Ah non, mais... Non, mais souris pas! Hein. Arrête-toi! Souris pas! Non, mais jamais! Ça, faut pas refaire ça! Il faut pas refaire ce genre de choses! On ne sourit pas! Dedans, ça s'appelle Crotor. On a une espèce de casque qui fait un peu une tête de zboob sur la tête, déjà. Et on s'appelle Crotor. Ne jamais sourire! Ah non, mais là... Là, il m'a surpris. Là, je suis désolé, mais il m'a quand même surpris. Mais même pas dans le bon sens. Là, je... Waouh, quoi, je... Non, il faut pas... Non, il faut pas sourire quand c'est comme ça. Là, je te le demande presque comme un service. C'est-à-dire que je viens de te libérer.
Voilà, on est quand même, on s'entend bien, on va dire concrètement, mais ne souris pas, parce que là, non mais c'est pas possible. Ah mais la tête qu'il avait, là franchement il m'a surpris. Là bravo, là franchement il est bon. Mais c'est peut-être comme ça hein, qu'il arrive à. Tu vois, t'es en plein duel, tu regardes dans les yeux, puis il te regarde et te sourit. Là, t'es complètement désarçonné, tu ne sais plus. Tu sais plus quoi faire. Ouais, donc là, c'était une bataille qui a été chargée en émotions pour tout le monde, je pense. Alors, du coup, toi, j'ai bien envie d'aller me reposer quand même, mine de rien. Parce que là, on est plus que 88. Ouais, ils veulent nous attaquer. Regardez-les, ils veulent nous attaquer. À la limite, je les laisse venir. Je les laisse m'attaquer, c'est pas grave. Et comme ça, je me mets en position de défense. Là, ils vont m'attaquer. Regardez, il fait trop le fou. Ils font... Regardez comment il fait le fou. Il fait le fou parce qu'ils sont trois. Oh! C'est pas grave, on va se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Moi, je suis prêt à me battre. Je vous attends, les gars. Donc là, on va se poser... on va attaquer, on va se poser, on va attaquer stratégiquement parlant. Ok, donc là, on a un terrain dégagé. Eux, ils vont m'attaquer. C'est à eux de m'attaquer. Donc, les gars, on va prendre... Vous, comme d'habitude, vous allez vous mettre donc devant. Je vais vous mettre en formation mur de bouclier. Voilà. Les archers, comme d'habitude, peut-être un peu plus derrière. Genre par là, vous reculez un peu. Le but, c'est vraiment de les défoncer. Et tout ce qui est infanterie, cavalerie, vous allez vous mettre sur le côté comme d'habitude. Je vais vous faire... Ouais, je vais même vous déplacer un peu plus par là, par exemple. Là-bas. Vous allez vous mettre en formation et chez vous, comme d'hab. Et là, on est... Là, je pense que cette stratégie, à chaque fois, elle marche bien. Ouais, donc ils vont arriver d'une minute à l'autre. Par contre, vous, je vais vous changer de formation parce que... Non, 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 mais mettez-vous plus par là, tu vois. Non, surtout pas vous étendre, en fait. C'est tout ça qui m'embête. Bah non, du coup, vous... ouais. Allez, on va les laisser charger un peu. Non, j'aurais pas du tout voulu, dû vous changer de position. Restez en formation ligne, c'était mieux. Voilà. Restez derrière, plutôt. Restez protégés derrière. Non, les là, ils sont défoncés. Et vous allez bientôt attaquer, les gars. Je compte sur vous. Chargez, maintenant. Allez-y, chargez. Il faut que les archers... ouais, allez-y, vous allez charger. Les archers vont continuer à les pilonner. C'est ce qu'il faut qu'on fasse. Voilà, je pense que là, on est bon, en vrai. Toi, t'es mort. Touché. Ouais, bon, toi, par contre, je te défonce. Toi, je vais te défoncer. Toi, sauf ficelle, je te défonce. Ok. Ça, c'est fait. Un seigneur en moi, on n'en parle plus. Voilà, regardez-les, ils sont super bêtes. Dans le dos. Dans le dos aussi, on n'en parle plus. Toi aussi. Ouh, les ennemis fuient déjà, non, sérieusement, ils fuient. Bah les gars, tout le monde charge. Allez-y les gars, tout le monde charge. Il faut vraiment qu'on tue tous les fuyards là, on n'a plus le choix. Cassez de votre formation, je m'en fous. Mais surtout, tuez-les. C'est surtout ça qui m'importe. Voilà, ils ont voulu m'attaquer. Ils vont le regretter. Je pense pas qu'on ait perdu beaucoup de monde. Ouh, toi, je t'ai tué juste avant. C'est dommage. Toi aussi. Bon, c'est pas grave. Les autres vont fuir, c'est pas grave. Mais ouais, là, je pense que clairement, ils vont regretter d'avoir bah, de m'avoir attaqué, tout simplement. Hein. Là, je pense qu'ils vont clairement regretter. Donc, ils sont par là-bas. Ils fuient de ce côté-ci. Ouais, ils sont là-bas. Vite, on y va. Il ouais, faut surtout qu'on les défonce le plus possible, les gars. Allez-y, hein, vous arrêtez pas. Moi, j'arrive. Je crois qu'on a perdu personne en plus avec la stratégie là qu'on a faite. Hein. Bah, elle est super bonne, hein. Mets tes archers derrière. Déjà, voilà le nombre de troupes qui tuent. J'en ai vu un par là, je crois. Ouais, voilà le nombre déjà de troupes qui tuent. Voilà, encore. Encore. On lâche pas. Super. En fait, le temps qu'ils arrivent, ils sont déjà alignés par mes soldats, quoi. Par mes archers. Et là, c'est ouf pour eux. Parce que franchement, c'est hyper compliqué pour eux. Toi tu vas te prendre un coup, ça va aider. Voilà, j'arrive à en achever quelques-uns quand même, ça c'est cool. Il faut qu'on les, il faut vraiment pas qu'on les lâche. Ah ils ont réussi à se battre, ok très bien. Bon bah là je pense qu'on peut pas faire mieux. Donc nous on a perdu, ouais on a perdu, on a même pas eu de blessés, on a perdu personne, on a même pas eu de blessés. Alors que c'est eux qui nous ont attaqués quoi. Et ouais les gars, et ouais. Alors, Salulk. De peuple de la forêt, je vais te libérer. Voilà, je te libère, c'est pas grave, t'as essayé de m'attaquer. De toute façon on m'avait rien fait perdre, donc je vous libère. Ah, pisse de la main, vas-y. Bah, si tu pisses de ta main, écoute, c'est pas de ma faute hein. Mais voilà quoi. Si tu pisses dans ta main, c'est chaud quoi. Pareil, j'ai un peu de pitié pour lui aussi, il pisse dans ta main quoi. Ah, pisse dans sa main, c'est, voilà. Bon bref, vous aurez compris l'idée, mais ouais, c'est pareil, là je sais pas ce qu'on fait les devs avec ce jeu, mais ils se sont dit, allez, on se fait plaisir. C'est, on se fait un petit kiff. Marionnettiste, ok.
Je pense que c'est tout, ouais. Alors, je vais prendre deux gars en plus. Et là, on est bon. Je vais dégager. Tiens, bah toi, je t'embauche. Hop, du coup, ça m'en fait. Il faut que j'en dégage deux. Deux. Ok. Toi. Et puis, toi, voilà. Comme ça, j'ai plus pas le nombre de prisonniers qu'il me faut. Ouais, bah, let's go, du coup. Bon, bah, c'est parfait. Le mec, ça fait la pisse dans sa main. Je veux dire, c'est pas de sa faute, quoi. Ouais, moi, genre, deux personnes, ils me font de la peine. Je me dis, ouais, avec un prénom comme ça, je serais peut-être pareil que toi. Moi, je serais peut-être aussi... Ouais, allez, fuis. Voilà, je suis, je l'ai fait un peu bader. Par contre, on va aller se reposer quand même, mine de rien. Je vais aller, hop, au château. Je vais retourner dans mon château parce que je veux récupérer mes soldats. Je veux qu'ils puissent se soigner, se healer aussi. Et je veux qu'on revienne avec 100 soldats. Donc, on est parti. Du coup, ouais, il n'y aura pas forcément... Peut-être pas de siège, du coup, en cette vidéo-là. Peut-être dans la prochaine. Ouh, 496. Et bien me battre avec eux, en vrai. J'ai envie d'aller me bastonner avec eux, mais... Où est-ce qu'ils ont? Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont? Vers au mort, ok, ils vont vers au mort. Ok, très bien. Bon, moi, je me repose un petit peu. Mes soldats reviennent petit à petit, sont de nouveau aptes à se battre. Ça, c'est plutôt intéressant. Pendant ce temps-là, j'augmente aussi, du coup, le bonus de prospérité dans mon château. Donc, ça, c'est cool. On a 3200. C'est plutôt intéressant. Alors, bougez pas. Clan, je veux juste regarder quand même où on en est. Ah, on est passé à l'échelon 4. Ça, c'est très, très bien. Je suis très content. Donc toi, tu vas nous refaire ton petit groupe, ta Varcheg. Toi, tu vas nous refaire ton petit groupe, ta Réville. Donc les gars, allez-y. Par contre, quelque chose qui me fait vraiment kiffer... Attends, votre groupe envoyé pour des actions quêtes sera affiché ici, d'accord. Ok, super. Un truc qui me ferait vraiment kiffer quand même, c'est dans la politique, il y a une loi qui s'appelle Cortège Noble, il me semble. Donc où est-ce qu'il est? Cortège... Non, Conseil des... Ah, Cortège Noble, voilà, parfait. Ça, je vais la proposer. Je vais la proposer parce que... Ah, oh, super, parfait, ça c'est cool. Donc en gros, je vous explique ce que ça fait. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment génial. En gros, Cortège Noble est là. En gros, les clans d'échelon 4 gagnent 1 d'influence de plus par jour, donc on passe à 23. Mais surtout, la taille de leur groupe est augmentée de 50. Ça veut dire que là, maintenant, je peux passer à un total de 192 troupes. Donc ça y est, je commence à avoir pas mal de puissance, là, mine de rien. Ça, c'est plutôt cool pour nous. Ah, ça fait plaisir, ça fait grave plaisir même. Je vais rester un peu dans mon château. On va attendre ici un petit moment. Je veux que mes... Ouh, qu'est-ce qu'ils font, eux? Qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas ce qu'ils font. Vraiment, je peux pas vous dire ce qu'ils font, mais c'est pas grave. Ça fait plaisir. Donc là, on vient de passer échelon 4. Ça, c'est vraiment très, très cool. Par contre, ça veut dire que du coup, je peux recruter encore plus de monde. Donc, je vais passer à Varcheg, voir s'il n'y a pas un espèce de... Voilà, un compagnon à recruter, parce que normalement, je peux maintenant. Oh là, ouais, ils sont tous... Regardez, ils sont trop plaisir, les mecs. C'est des marres. Les petits malins, ils font plaisir. Alors, groupe. Toi, du coup. Toi, je te level up. Toi, pareil. Voilà. Et tous ceux qui veulent me rejoindre, ils peuvent. J'ai de la place maintenant à gogo. Donc allez-y. Bon, ça en fait deux de plus. Là, ouais, à 192, ils vont arrêter de rigoler là. Là, je peux vous dire que je vais avoir une belle troupe. Ouais, recruter des troupes, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la taverne? Alors du coup, taverne. Anaïde la Noire. Yoron le guenilleux. Ouais, ça donne pas du tout envie. Et Rotar le brave, alors, Rotar le brave, t'as peut-être mon gars sûr. Toi je te parle, t'es Rotar le grave, le brave. Alors il y a autant, il y a Crotor, voilà, Crotor avec sa tête bizarre. Il y a Rotar le brave, voilà. Donc mon nom est Antoine, messire, parlez-moi de vous. Je vais vous raconter mon histoire, mais je sais pas si vous trouvez intéressant. Je suis né en mariage, ok? Mon père m'a recueilli, mais n'était bien sûr pas question que j'aille de quoi que ce soit. Donc en fait c'était ce qu'on appelle plus communément un bâtard. C'est le nom, hein, c'est pas d'insulte. Je ne voulais pas être un fardeau pour mes frères, j'ai décidé d'aller à la guerre. C'est arrivé quand mes voisins ont dû fournir un homme armé pour la levée du roi. Aucun d'eux ne voulait y aller, alors je me suis porté volontaire à leur place. Ils m'ont acheté une épée, un jacques, un cheval, et c'est comme ça que je suis devenu guerrier. Ma première incursion dans la guerre, nous avons été poursuivis par une force de cavalerie impériale deux fois plus nombreuse que nous. Il fallait un homme pour rester derrière et tenir un guet, afin que les autres puissent échapper. Les autres avaient de la famille, j'ai donc choisi d'être celui-là. Oh, beau gosse. C'est votre amour pour le prochain. Je me suis battu du mieux que j'ai pu, mais les forces impériales m'ont fait prisonnier. Quand ils ont découvert qu'il n'y avait personne pour me rançonner, ils m'ont laissé partir en promettant que je les paierais plus tard. C'était un geste épineux de leur part, je pense que donc je n'ai pas touché que de gagner cet argent. Ok, bah pas de problème, vas-y je te paye moi, vas-y rejoins-moi. Pas de problème, Rotar le brave. T'as l'air d'être bah j'allais dire un brave guerrier, mais ouais du coup. Oh, il y a un musicien. Est-ce que je peux danser? Ouais, attends, je veux danser, moi je veux danser. Oula, oh, je peux mettre un coup de pied, j'avoue. Oh, le pauvre musicien, regarde. Ta! Alors, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit que je vais plus fort. Le pauvre gars. Ok, on se calme. Je crois que je peux danser, mais je sais pas comment faire.
Oh, dis donc. Oh, dis donc, dis donc. Toi, t'es... Hey. Je sens que toi et moi, on a un accroche là. Je sens que toi et moi, on a un accroche. Je sens que là... Se regarde aux 2 points, toujours premier à ce qui sa tête pour les autres. D'accord. Cherche quelqu'un. Retarde le brave. Non, merci. C'est bon, casse-toi. Oh, pas mal aussi, toi, tiens, dis donc. Parlez-moi de vous, Nania. Ah, j'ai trop de monde déjà. Ok, super. C'est pas grave, j'ai retard le bras. Ouh, bah dis donc, c'est encore mieux ça. Encore mieux, toi, dis donc. Et oui, je... Hop, voilà, je prends un petit screen comme ça, là, cool. C'est pour faire des milliards, hein. Je vous rassure tout de suite. Tavernier. Tavernier, qu'est-ce que je peux dire au tavernier? J'ai jamais essayé, tiens, tavernier. Viens là. Alors oui, il faut faire le tour, par contre, c'est mal foutu. Ouais, information sur cette ville. Pff, ouais, je m'en fous un peu. Scandale à cour, non. Ok, bah très bien. Moi, je m'en vais. J'ai essayé de m'en aller. Ouais, je pense que j'ai filé. Par contre, là, tu danses super bien. Attends, vas-y, fais voir. Vas-y, vas-y, on tient ce côte à côte, on danse. Ah là là là. Bah, tu connais le couper, décaler. Couper, décaler. Tu sais faire couper, décaler. Toi, tu sais pas faire couper, décaler. Toi, tu sais pas, t'es peut-être une bouse. Bon, allez, on y va. On arrête de déconner. On y va. Ok. Donc, on va retourner du coup. Ici, on s'en va. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, on a Rotard le Brave. Rotard le Brave, qu'est-ce que je peux te... Ouh, alors par contre j'ai des gamins mais ils grandissent jamais chez moi, c'est abusé. Alors je les ai même jamais vus mes gosses. Je crois qu'en vrai je les ai jamais vus mes gamins. Je crois que je les ai genre jamais vus ces cons-là. Genre jamais, je sais même pas quoi ils servent. Alors Alena est sournoise et cruelle. Ouh. Ouais. Patrick lui il voilà, il a pas de grade. Toi t'es sournois et cruel. Or, aussi? Ah ouais, mes gamins, c'est pas. Ouais, mes gamins, c'est pas de la première. Ouais, je suis un peu déçu, mais c'est. Ouais, c'est pas de la première main, on va dire. Et Rotard, le brave, tu as créé ta propre armée, Rotard. Tu files. Voilà, file, allez-y. Rotard le brave. Normalement, là, t'es qu'en territoire allié. Hein. Donc, je vais quand même l'escorter un peu pour qu'il puisse faire sa petite armée d'abord. Donc, allons-y, Rotard le brave. Ah, t'as pu recruter que 3 gars? Bon, bah, c'est pas grave. Vas-y, Rotard, fais-toi plaisir. Je te suis. Hein. Si quelqu'un s'en prend à toi, il est dans la galère. Ah, il y avait des pires. Ah, là, ils auraient bien défoncé Rotard. Ah, il y a aussi elle. Allez les gars, moi je vais vous escorter tous les deux. Rotard le brave. Ah, en fait c'est chaud là parce que mine de rien, il y a beaucoup de... Je crois que je vais devoir vraiment défoncer les cachettes si je veux que mes troupes puissent se gérer. Ouais, il va falloir que je me tape les... Oh, c'est trop cru, ça c'est cool. À mon avis, il va vraiment falloir que je défonce les cachettes comme ça, vous voyez. Je pense que je vais en défoncer quelques-unes parce que là, ça devient très très problématique pour mes potes parce qu'en vrai, ils se font défoncer par tous les pillards. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'arrivent jamais à faire une armée conséquente. Peut-être pour ça. Bah vous savez quoi, je pense qu'on va terminer du coup sur l'attaque de la cachette. Et derrière je pense que je vais faire un petit peu nettoyage au niveau de ma zone. Parce que c'est clair qu'il y a beaucoup 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 de... Surtout par là, il y a beaucoup de cachettes etc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pillards. Donc moi je me suis dit tant mieux, ça va les faire XP en vrai. Mais je crois qu'ils arrivent jamais à... Je crois qu'ils s'en sortent pas en fait, ils sont explosés et puis c'est terminé quoi. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Bon bah là les gars chargés, hein. Moi je m'en fous, même si j'ai quelques paires, c'est pas le bout du monde. Je suis plus lent que tout le monde en plus. Touché. Ok, j'en ai tué un. J'en ai tué un autre je crois, enfin j'en ai touché un autre, super. Ils vont se faire défoncer. Moi je prends d'avance sur les autres camps en attendant. Parce que je suis super lent, j'ai une grosse armure. Et aussi tu vas me dire, mais j'ai l'impression qu'ils sont peut-être plus athlétiques que moi, je suppose. Allez, allons-y. Je pense que je vais commencer à défoncer toutes les cachettes en vrai parce que ça devient très compliqué. Ok, super. Allez, 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 on y va. Touché. Touché aussi. Ils prennent cher en vrai. Tiens, lui là-bas, au loin là. Ouh, dans son bouclier. Ah bah il va se faire défoncer, très bien. Bah je prends de l'avance, hein. Allez-y. Enfin, je prends de l'avance. J'essaie de rattraper mon retard surtout. Je cours. Allez, on y va, on enchaîne. En vrai, je perds personne dans mon armée, c'est cool. Mais je crois que ouais, j'aurais peut-être... Ouh, ça y est, j'ai perdu un gars. Il a fait mal, hein. J'ai vu qu'il y a... Ouais, j'ai... Ouh, d'accord, regardez-le, le train de... D'accord, bah, très bien, c'est pas grave. Je prends de l'avance, il y en a d'autres par là, donc j'y vais. Ils sont trop rapides, ils sont trop rapides. Ils sont beaucoup plus rapides que moi. Ok, on va essayer de toucher. Toucher. Je vais aller, du coup, pendant qu'il s'occupe de cela à gauche, je vais tenter d'attaquer à droite. Hop, on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, ils en défoncent quelques-uns quand même.
Je pense qu'en vrai l'histoire de la cachette c'est plutôt pas mal parce qu'en vrai ça me permet je pense d'aider un peu mes potes parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils essaient de faire une armée ils sont attaqués par la masse de pillards et je pense qu'ils sont pas capables de les vaincre. Ouais, je suis un peu loin quand même, faut pas exagérer non plus, je suis quand même super loin. Par contre là-bas je pense que je peux les toucher. Non je peux pas. Je suis trop lent aussi, beaucoup trop lent. Ah si ça y est, je suis loin. C'est vrai que je suis lent quand même, mon personnage il est super lent. Ok bon bah ils vont se faire défoncer. Voilà, on va voir le bandit qui va venir me chercher en mode hey, baston ou pas? Je vais dire oui. Voilà, le bandit vient me chercher, donc le chef de camp on va dire. Le chef des bandits, je vais dire non parce qu'il va me proposer un 1-1. Mais comme je suis nul en 1-1, je vais dire non non, je fais pas de... Je suis pas honorable avec les brigands. Touché. Hop, encore. Encore, touché. Hop. Super, ça c'est fait. Ouais, il en reste un là. Oh, super, on va le défoncer. Je suis trop lent pour l'avoir touché. J'ai au moins mis une flèche. Oh, sérieusement? Regardez son cadavre, comment il l'a volé. C'était quoi? C'était Superman qu'on a tué? Non, abusé. Bon, bah, on n'a pas eu de gars, mais ça c'était pas grave. On a gagné un peu en renommée, surtout en influence. Mais voilà, je pense que déjà une cachette en moins, ça va éviter d'avoir trop de pillards que mes potes vont pouvoir évoluer. Parce qu'en vrai, j'aimerais bien que moi, parce qu'il n'y a que moi hein, dans l'armée qui évolue pour le moment. Je vais t'embaucher à fond, toi pareil, toi aussi. Et le reste, ils sont tous nuls en fait. Le reste, ils sont vraiment nuls. Il y a combien de place du coup? Il y a encore un peu de place, donc toi aussi, les brigands aussi. Et puis ça sera déjà terminé, je pense. Toi, je t'embauche. Tac, terminé. Ouais, ça va être déjà pas mal. Et le reste, ouais, vous êtes trop... En vrai, vous êtes nuls, mais vous êtes gratuits, alors... Bon, bah, je vais prendre ce que vous êtes gratuit. Vraiment pas ce que vous êtes gratuit, parce que sinon, vous êtes vraiment naze, quoi. Allez, terminé. Hop là. Bon, bah, écoutez, je pense que là, on est bon. Je vais continuer, du coup, moi, à faire une autre cachette. Bah, écoutez, je pense que nous... On va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à plus tard pour la suite. Ciao ciao.